Nous sommes toujours dans cette série intitulée ⁇ Laissez-moi vous parler de Jésus ⁇ Et dans cette série intitulée ⁇ Laissez-moi vous parler de Jésus ⁇ nous disons des choses simples mais vraies parce que nous disons, bon, quand on parle à quelqu'un et quand on dit ⁇ Laisse-moi te parler de Jésus ⁇ quelle est la chose la plus importante à dire Nous avons dit dimanche passé ⁇ Jésus t'aime ⁇ Ce matin, nous voulons dire quelque chose de simple aussi qui... Qui peut paraître évident pour des, des chrétiens, pour des gens qui, qui ont l'habitude d'aller à l'église, quoique des fois ça devient de moins en moins évident, mais c'est pourtant si simple. Nous voulons dire ce matin Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là, ici. Vous allez m'attendre, attendez. Il est à Drummondville ou à Berthierville Aux deux. Puis quelqu'un qui nous écoute en Afrique ou en Europe. Et Seigneur a cette capacité de pouvoir être à plusieurs endroits à la fois, et heureusement. Mais ce matin, nous voulons simplement dire, Jésus est là et nous allons développer ça ensemble. Dans Genèse, chapitre 28, verset 16, et peut-être que c'est l'expérience que vivent plusieurs actuellement, Jacob était dans un lieu qui s'appelait Bethel. Enfin, du moins, c'est lui qui a appelé ce lieu Bethel. Vous savez ce que ça veut dire, Bethel c'est la maison de Dieu. Et Jacob est à Bethel, il appelle ce lieu Bethel la maison de Dieu. Et souvent, on a l'habitude d'appeler l'église la maison de Dieu. Et Jacob est là donc à Bethel, où on pourrait dire nous aussi quelque part, quand nous sommes dans une église, nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes dans notre Bethel à nous. Mais Jacob est là dans ce lieu et il dit, vraiment, le Seigneur est ici. Mais je ne le savais pas. Est-ce que ça se pourrait qu'aujourd'hui encore, il y ait des gens qui soient à Bethel, qu'il y ait des gens qui soient dans la maison de Dieu, que ce soit à Drummondville, que ce soit à Bertieville ou que ce soit ailleurs, et qui ne savent pas que Dieu est là Jacob, lui, se réveille ce matin-là, après avoir eu ce songe, cette vision, cette révélation, et il dit Mais assurément, c'est vrai, vraiment le Seigneur est là. Et je ne le savais pas. Le fait que Dieu soit présent, on voit ça évidemment dès le départ. Ici, on est dans la Genèse. Et dans toute la Bible, on voit la volonté de Dieu d'être présent. Et même d'habiter au milieu de son peuple. Et c'est le premier point. Dieu habite au milieu de son peuple. Et on voit cela ne serait-ce qu'avec la construction du tabernacle, de cette tente. Euh, d'assignation. Et Dieu dit clairement, cette tente, ça a quel but Je veux habiter, demeurer au milieu de mon peuple. Exode 25, 8. Les Israélites me confectionneront une tente sacrée pour que je puisse habiter au milieu d'eux. Et le, la volonté de Dieu ici, c'est d'habiter au milieu de son peuple. Exode 29, 47. Il dit encore, je serai présent parmi les Israélites, je serai leur Dieu. Donc il veut être présent au milieu d'eux. Ils reconnaîtront alors que je suis le Seigneur leur Dieu, moi qui les ai fait sortir d'Égypte pour que je puisse habiter au milieu d'eux, je suis le Seigneur leur Dieu. Et encore, on relit le, le verset 45, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël, je serai leur Dieu. Vous voyez, dès le départ, Dieu avait cette intention, cette volonté d'habiter au milieu de son peuple. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Dans le Lévitique, chapitre 26, verset 12, il dit ⁇ Je marcherai à vos côtés, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. ⁇ Où là, Dieu non seulement est celui qui habite au milieu de son peuple, mais il est celui qui dit ⁇ Je marche à vos côtés, je veux être avec vous. Et encore, si on va un peu plus loin dans Zacharie, voilà ce que dit le prophète, le Seigneur annonce encore, faites éclater votre joie, gens de Jérusalem, je viens habiter au milieu de vous. Alors, on aurait pu en sortir encore beaucoup de versets comme ça, il y a beaucoup d'histoires dans l'Ancien Testament où on voit que Dieu habite, que Dieu veut habiter. Il n'est pas loin, il habite là. Il n'est pas un Dieu, euh, c'est un Dieu de proximité. Il veut être près des siens, près de son peuple. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est là dès les temps anciens. Et même si on remonte à l'histoire de Adam et d'Ève, on voit que là encore, Dieu rencontrait tous les jours et voulait être dans une présence, une communion. Il n'était pas loin, il était avec eux à chaque jour pour être en, en contact, habiter, être ensemble et marcher avec eux. Alors, le, le deuxième point qui est la, la conséquence du premier dieu n'est pas loin beaucoup pensent que dieu est dans les nuages vous savez des fois il y en a qui font ce genre de petits dessins, dieu qui est euh, dans un nuage et qui s'occupe pas du tout de nous et dieu dans un nuage et même euh, un petit peu comme quand quelqu'un est dans la lune ou quelqu'un est dans les nuages non non dieu n'est pas loin il il a manifesté sa volonté d'habiter au milieu de son peuple parce qu'il veut être prêt. Il veut donner un accès facile. Et si Moïse, sur les ordres de Dieu, a construit cette tente, eh bien, dans le désert, c'était justement pour montrer d'une manière significative que pour venir à Dieu, il ne s'agissait pas d'aller loin. Il était là, au milieu d'eux, et qu'on pouvait s'approcher d'eux. Un peu plus tard quand euh, Israël ne va plus être un peuple nomade, mais sédentaire, eh bien, Salomon va suivre les directives de son père David et construire un temple, le temple euh, à Jérusalem. Et ce temple, littéralement, c'est la maison de Dieu. On construit une maison euh, qui est la maison de Dieu. Alors, dans 1 Roi, chapitre 8, verset 22, c'est la consécration du temple de Salomon, euh, que Salomon fait pour l'Éternel, il est dit que Salomon se tint devant l'autel du Seigneur, en face de tous les Israélites assemblés. Il leva les mains vers le ciel pour prier et voilà ce qu'il dit. Il dit, Seigneur de Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans le ciel, ni ici-bas sur la terre. Tu maintiens ton alliance avec tes serviteurs et tu restes fidèle quand ils se conduisent eux-mêmes devant toi avec loyauté. Et il y a tout un discours que Salomon va faire, et puis je passe là-dessus, je vais directement au verset 30 euh, de ce même passage. Et voilà ce que Salomon va faire lorsqu'il fait la dédicace euh, du temple. Il dit au verset 30, il dit, écoute, écoute mon appel et l'appel qu'Israël, ton peuple, t'adresse, tournez vers ce lieu. Écoute Seigneur dans le ciel où tu habites, écoute-nous. Et pardonne-nous. Salomon vient de construire une maison et il dit Dans le ciel où tu habites, il sait que Dieu est pas un Dieu terrestre, mais un Dieu céleste, mais néanmoins que cette maison est comme, on pourrait presque dire, une ambassade, mais en tout cas le lieu où on peut venir parler à Dieu, où Dieu nous écoute. Parce que le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est être prêt. Et, Salomon va, va donner toutes sortes d'exemples en disant, s'il si, y a eu tel problème et que quelqu'un vient dans ce lieu, eh bien, tu l'écouteras. Et juste au verset 42, il dit, quand on parlera de ton nom glorieux et de ta puissance avec laquelle tu agis, même les étrangers l'apprendront. Et si alors un étranger, quelqu'un qui ne fait pas partie d'Israël, ton peuple, vient d'un pays éloigné pour te prier dans ce temple, eh bien, toi, Seigneur, dans le ciel où tu habites, sois attentif et accorde-lui ce qu'il demande. De cette manière, tous les peuples de la terre te connaîtront, ils apprendront à te respecter comme Israël, ton peuple te respecte et ils sauront que ce temple que j'ai construit t'est vraiment consacré. Alors on voit que dans cette dédicace, il y a comme un, un décalage, parce que Salomon d'un côté vient de construire la maison de Dieu. Et Salomon lui-même reconnaît que Dieu n'habite pas là. Mais alors à quoi ça sert cette maison, ce temple, ce bâtiment Et puis c'était grand, c'était de la pierre, c'était de l'or, c'était quelque chose de, de grandiose, d'extraordinaire, de fabuleux. Pourquoi construire un temple ici alors qu'on sait que Dieu habite au ciel Ou pourquoi faire une tente dans le désert Ou pourquoi ben, tout simplement pour montrer que Dieu est accessible et dans la prière et la dédicace de Salomon pour ce temple, c'est quand quelqu'un vient dans ce lieu, il saura qu'il est dans un temple consacré, qu'il est dans la maison de Dieu, et que Dieu l'entend et que Dieu l'écoute. Et ça, ça fait toute une différence. Et on voit que les, les, le peuple d'Israël va prendre conscience que Dieu est au milieu d'eux. Et que si Dieu est au milieu d'eux, ce n'est pas juste pour être là, pour être là, ce n'est pas pour les surveiller, ce n'est pas pour épier tout ce qu'ils font, mais c'est pour être proche, c'est-à-dire accessible et être capable d'entendre. Dans 1 Chronique 28.8, il est dit maintenant, mes amis, face à tout Israël, le peuple du Seigneur en présence de notre Dieu qui nous entend. Il y a cette conscience que Dieu entend, que Dieu nous entend. Et on a beaucoup de versets comme ça dans Psaume 4.4, par exemple, Apprenez que le Seigneur distingue celui qui est fidèle, il m'écoute quand je l'appelle au secours. Et là, il y a des gens conscients qui disent que quand je parle, quand j'appelle au secours, il m'écoute, il m'entend. Et peut-être pour ceux qui sont ici à Drummondville, vous avez remarqué en venant dans cette église, qu'on a une Bible à l'extérieur, qui reprend le texte du psaume 34, verset 7, et voilà ce qui est écrit. Quand un malheureux prie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Dieu est celui qui entend. C'est tout simple, mais c'est vrai. Et c'est important de le comprendre aujourd'hui, que quand tu parles, que quand tu pries, que quand tu l'appelles, que quand tu l'invoques, Dieu t'entend. Et ça semble peut-être bizarre de le dire, mais malheureusement des fois c'est vrai, que certains sont chrétiens depuis longtemps et c'est comme s'ils avaient oublié que Dieu entendait. Et qu Ils disent « je ne sais pas, je prie, Dieu ne répond pas, euh, Dieu m'entend pas, non, non, Dieu entend. » Que tu aies l'impression, que tu aies le sentiment, que tu ne comprends pas, ça, c'est toutes sortes de choses peut-être, mais une chose est sûre, c'est clair depuis le départ, depuis les temps anciens, et c'est toujours vrai aujourd'hui encore, Dieu entend. Quand tu es dans la maison de Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, il t'entend. Et ce matin, peut-être pour être très concret et pratique, ce matin, alors que vous êtes là en train d'écouter ces paroles, que ce soit devant votre ordinateur, que ce soit à Berthierville ou que ce soit ici à Drummondville, sache que Dieu t'entend. Dans le psaume 116, il y a cette confirmation encore où, où le psalmiste peut dire ⁇ J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. ⁇ Et je relis ce psaume dans la Bible en français courant. ⁇ J'aime le Seigneur car il m'entend quand je l'appelle. ⁇ Dieu ne fait pas la sourde oreille. Il nous entend lorsque nous l'appelons. Verset 2, Il a tendu vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je ferai appel à lui. Non seulement il m'entend, mais il prête une oreille attentive. Il est celui qui veut nous écouter. Il est celui qui tend l'oreille. Il est celui qui dit parle, demande et je te donne. Il est celui qui... Il n'est pas celui qui dit non, non, je veux rien savoir, il est celui qui nous appelle dans sa présence. Et c'est pour ça qu'il a voulu avoir une tente au milieu de son peuple. Et c'est pour ça qu'il y a eu une maison, un temple qui était construit au milieu de son peuple à Jérusalem. Pourquoi Pour dire je vais être près de vous pour vous entendre. Et pas seulement entendre pour entendre, mais entendre pour exaucer entendre pour bénir entendre pour se courir. Et quelqu'un va dire oui, mais aujourd'hui la Jérusalem, ça fait un peu loin hein. pour aller dans le temple et encore le temple, il n'y en a plus. Le temple a été détruit, le temple de Salomon a été détruit par les Babyloniens, a été reconstruit après par euh, Hérode et maintenant ce qu'il reste du temple, c'est rien. Si on va actuellement à Jérusalem sur l'Esplanade du temple, ben il y a rien. Enfin il a rien. Il y a une mosquée. Et il reste juste un mur de fondation du temple de Salomon. Et ce mur s'appelle aujourd'hui le mur des lamentations. Et parce qu'on dit, ah, oh, dire qu'il y avait un temple ici, puis il n'y a des ruines aujourd'hui. C'est ça. Alors aujourd'hui, comment ça se passe Elle est où la maison de Dieu Avant, c'était clair, c'était cette tente qui était au milieu du peuple d'Israël. C'était cette maison, ce temple qui était là à Jérusalem, mais aujourd'hui, où est la maison de Dieu Eh bien, la maison de Dieu, Dieu nous entend, et ça, Jésus le confirme dans, dans l'évangile, partout. Il n'y a pas d'endroit de, spécifique ou obligatoire, mais n'importe où, Dieu nous entend. Regardez dans Matthieu chapitre 6, verset 6, ce que dit Jésus il dit, Quand tu pries, entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et il y a là maintenant avec comme une nouvelle alliance et puis une prise de conscience que la volonté de Dieu, c'est d'être tout près de nous. Et tout près de nous, c'était autrefois avec la tente d'assignation ou c'était autrefois avec le Temple à Jérusalem. Mais aujourd'hui, c'est chez nous. C'est dans ta chambre. C'est chez toi. Ça peut être dans ta voiture, ça peut être dans ton camion, ça peut être n'importe où. Quand tu es là, quand tu fermes la porte, quand tu dis, moi, je veux avoir un, un accès auprès de Dieu, je veux lui parler, je veux qu'il m'entende, je veux qu'il m'écoute, eh bien, Jésus dit lui-même, quand tu es là dans le secret de ta chambre, ton Père est là Si tu fermes la porte pour être avec lui, si tu prends un temps pour être avec Dieu, il est là. Dans le lieu secret, il te voit et ce que tu demandes, il te le il te rendra, il répondra à ta prière. Alors le temple aujourd'hui, le Bethel, c'est partout. Le Bethel, la maison de Dieu, c'est pas simplement l'église. Ces murs n'ont rien de magique ici. Nous sommes réunis dans sa présence. Nous sommes réunis pour lui, et parce qu'on est là pour lui, lui, il est là pour nous. Mais ça peut être n'importe où. Dieu t'entend. Alors, si c'est une nouveauté pour quelqu'un ce matin, laisse-moi dire, c'est vrai. Et Il y en a plusieurs qui peuvent dire, c'est vrai. Je, quand je parle, Dieu m'entend. Et comment tu sais que Dieu t'entend Parce qu'il répond. Si tu te demandes et qu'il n'y a pas de réponse et qu'il ne se passe rien, tu dis Est-ce que je suis sûr que j'ai été entendu Vous savez, un petit peu comme ceux qui parlent dans les vieilles radios là, ou dans les CB, ils parlent. Et ils disent ah, Est-ce que quelqu'un m'entend On peut parler, et puis tant qu'il n'y a pas de signal, comme on dit, euh, Discat ou Roger, que, comment il dit Claude Poirier là? Discat Et. Mais le Seigneur accuse réception de nos prières et on sait qu'il nous entend parce qu'il répond à nos prières. Alors je viens avec un troisième point et on parle de Jésus plus précisément puisque nous disons laisse-moi te parler de Jésus et nous disons ce matin Jésus il a plusieurs noms il a plusieurs titres c'est le Seigneur Jésus c'est Jésus triste c'est-à-dire le triste le Messie et parmi ces titres il y a celui d'Emmanuel Jésus Emmanuel. Jésus est appelé aussi Emmanuel. Mais Emmanuel, ça veut dire quoi Regardez dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14, c'est une prophétie que le prophète Ésaïe donnait bien avant la naissance de Jésus. « Et voici, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et qu'est-ce que ça signifie, Emmanuel Vous allez dire Emmanuel, attendez, comment on dit ça en hébreu Immanuel. Là, je me tourne vers ma femme, qui est une hébraïsante confirmée. Immanuel, au milieu de nous, elle, Dieu. Dieu au milieu de nous. Emmanuel, c'est Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous. Et c'est ça, Emmanuel. Et là, on voit que ce qui était vrai dès la Genèse, l'est encore aujourd'hui. Et que la venue de Jésus sur terre n'est pas quelque chose de bizarre, de nouveau, de Dieu a une nouvelle idée. C'est toujours la même idée, à savoir être proche des hommes, proche de son peuple. Il voulait habiter au milieu de son peuple. Et Jésus est là au milieu de nous, avec nous. Matthieu chapitre 1, verset 20, cette prophétie d'Ésaïe est confirmée par l'évangile de Matthieu. Dans Matthieu 1, 20, il dit comme il y pensait, on parle ici de Joseph, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète et on vient de le lire dans Ésaïe, à savoir, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus est l'incarnation de Dieu avec nous. Dans le début de l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 1 verset 14, celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Eh bien, cette parole qui a été faite chair, il est venu habiter. Il a vécu parmi nous. Et c'était important que Jésus vienne parmi nous, que Jésus vienne à côté de nous, que Jésus vienne au milieu de nous. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas resté dans son ciel, mais Jésus est venu vivre au milieu de nous afin qu'il y ait un contact, une proximité. À un moment donné, Jésus va faire un miracle, il y a un mort qui va ressusciter. Et suite à cette résurrection du fils de la veuve d'un village qui s'appelle Naïn, et bien voilà ce qui se passe tous sont saisis de crainte et glorifient Dieu en disant Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et la conclusion ici, c'est il se passe des choses merveilleuses. Dieu, ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu a visité son peuple. Il est là au milieu de nous. Et c'est quelque chose que Jésus confirme dans Jean 14 encore. Jésus dit, et on l'a cité euh, il y a quelque temps, croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je me parce que je m'en vais au père et regardez le verset 13 et tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le père soit glorifié dans le fils et Jésus dit je suis venu vers vous je suis venu auprès de vous et il y a un accès maintenant qui est facile L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de cet accès qui est facile. Et même en termes de, de symboles, si on peut dire les choses ainsi, dans le temple auparavant, il y avait un voile. Il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Il y avait un voile qui empêchait de rentrer là où Dieu habitait, résidait, dans ce, ce tabernacle. Pourquoi Parce que. Et la sainteté de Dieu était inaccessible aux hommes. Mais quand Jésus est venu et quand Jésus est mort sur la croix, au moment où il meurt, il est dit que le voile du temple s'est déchiré. Et ce voile du temple qui se déchire a toute une portée symbolique extraordinaire. Ça veut dire que maintenant, en Jésus, nous avons un accès à la sainteté, au lieu très saint. À la présence de Dieu, où Dieu habite. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux insiste là-dessus en disant que nous avons un libre accès. Est-ce qu'on réalise ce matin que Dieu veut être près de nous Que Jésus est venu pour être près de nous et pour nous réconcilier avec Dieu, pour pas que Dieu soit loin et nous soyons de notre bord et que Dieu soit de son bord, mais pour qu'il y ait un, une réconciliation, un accès. Et Jésus est ce chemin, cet accès, cette porte, utilisez tous les mots que vous voulez, euh, il y a beaucoup d'images de, de, dans la Bible qui représentent ces choses-là. Jésus est celui qui nous donne accès auprès de Dieu. Et il dit, si vous demandez quelque chose, je vous entends. Et je suis cet accès et je ferai, je vous donnerai ce que vous me demandez. Il continue au verset 15. Euh, si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai si vous m'aimez gardez mes commandements et dans hébreux 13 c'est quelque chose qu'on a vu il y a quelque temps déjà mais on va le redire aujourd'hui Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement et nous disons par là que ce qui était vrai ce que Jésus disait quand il était sur la terre des hommes c'est vrai aujourd'hui encore il est le même il n'a pas changé il est le même aujourd'hui il était le même hier, il est le même, le même aujourd'hui qu'hier et il est le même demain. Ses promesses sont vraies, ses promesses sont oui et amen. Il est vivant et il nous fait des promesses. Et si les psaumes pouvaient dire, si au temps des psaumes on pouvait dire, j'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix, quand le malheureux prix l'Éternel entend, c'est vrai aujourd'hui encore. Et en Jésus. Il y a cet accès, cette liberté, cette opportunité de nous approcher de Dieu et d'avoir un libre accès avec Dieu. Autrefois, si on reprend les paroles euh, du, du prophète Ésaïe, euh, autrefois il y avait comme une séparation, un mur qui nous empêchait de nous approcher de Dieu. Autrefois il y avait comme un fossé, on peut prendre toutes sortes d'images, comme un fossé qui nous empêchait d'aller dans la présence de Dieu. Il y avait ce voile, il y avait quelque chose. On ne pouvait pas y aller, même si on voulait mettre tous les efforts du monde. C'était impossible, inaccessible. Mais Jésus est venu ouvrir une brèche, donner un moyen d'accès, de présence, de pouvoir être dans la présence de Dieu. Ce qui nous empêchait de nous approcher de Dieu, c'était notre péché, c'était nos fautes, c'était nos transgressions. Mais Jésus, en venant mourir pour nos péchés, en venant offrir sa vie pour le pardon de nos péchés, eh bien, nous donne par là un accès maintenant dans sa présence. Parce qu'avant, à cause de notre péché, on ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu. Il ne peut pas y avoir quelque chose d'impur dans la présence de celui qui est saint, saint, saint. Mais qui entrera dans le lieu très saint Celui qui a lavé ses mains, celui qui vient avec un cœur pur. Et Jésus nous donne cette purification, si on veut utiliser ce mot-là. Jésus est celui qui, qui lave, qui purifie et qui nous permet comme ça de pouvoir venir dans sa présence. Et Jésus nous dit dans Matthieu 18, Jésus nous dit, je vous le déclare aussi, que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le... S'il y en a deux qui s'accordent pour demander, Dieu est toujours celui qui entend et il donne. Et voilà ce qu'il dit au verset 20, parce que c'est la suite de ce verset-là, car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus nous dit ça. Il l'a dit, Matthieu chapitre 18, il l'a dit quand il était sur la terre et c'est vrai aujourd'hui encore. C'est là une promesse. Il fait la promesse que s'il y en a deux ou trois qui s'accordent, qui s'unissent dans la prière pour demander la même chose, eh bien le père est celui qui accordera, qui donnera parce que Dieu, est celui qui veut nous bénir et est celui qui veut notre bien, et il nous dit voilà pourquoi parce que s'il y en a deux ou s'il y en a trois qui s'assemblent en mon nom, quel que soit le lieu Évidemment, dans une église, on s'assemble en son nom, du moins je l'espère, on est là pour lui ce matin. et Mais ça peut être dans ta cuisine, ça peut être ailleurs, mais s'il y en a deux, s'il y en a trois, ça fait comme une église. Eh bien, Jésus dit, je suis au milieu d'eux. Et si Jésus dit, je suis au milieu d'eux, pourquoi faire Aujourd'hui, Jésus est au milieu de nous. Nous croyons qu'il est toujours Emmanuel, nous croyons qu'il est toujours... Euh, celui qui, qui, qui habite au milieu de son peuple, qu'il est toujours Dieu avec nous. Et Jésus Emmanuel, Jésus qui est là avec nous, qui est au milieu de nous, nous dit s'il y en a deux ou trois qui s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est vrai encore aujourd'hui. Il est là. Peut-être quelqu'un dira mais où là euh, Quelle chaise Première grangée, dernière grangée Quelqu'un dira, c'est à côté de moi qu'il est. Si tout le monde dit ça, on va dire il est juste à côté de tout le monde. Et comprenez qu'on n'est pas dans un domaine ici de physique là, hein? On n'est pas dans un domaine de, de dire mais je veux le toucher. Non non, il est là. Pourquoi il est là Parce qu'il nous a dit qu'il était là. Et comprenez qu'ici il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas d'un corps, il s'agit de Dieu qui est là présent. Peut-être que quelqu'un va vivre la même expérience que Jacob en disant, mais il était là et je ne le savais pas. Et notre prière ce matin encore, c'est de demander à Dieu de, de vous ouvrir les yeux afin que vous preniez conscience qu'il est là. Et la question, évidemment, qu'il faut se poser, c'est, il est là, mais pourquoi faire Pourquoi est-ce que Jésus dit, c'est important que vous sachiez que s'il y en a deux ou trois qui sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est juste pour dire, bon, ben, il est là, d'accord, il est là. Et après Non, non. Le fait de savoir qu'il est là, ça change tout. Parce que quand on lit l'Évangile, on s'aperçoit que partout où est Jésus, il se passe des choses merveilleuses. On voit que partout où est Jésus, il y a, il y a des miracles, par exemple. Euh, on sait que jésus est quelque part on lui amène les malades et les malades sont guéris est-ce que ça marche aujourd'hui encore ça jésus est le même hier aujourd'hui et pour toujours le fait de savoir que jésus est là ça veut dire que il est là pour t'entendre tu peux lui parler tu peux lui demander tu peux l'invoquer ça veut dire que tu peux plus dire non, non, mais il est tellement loin, il ne sait même pas ce que je vis, il est juste à côté de toi. Il n'est pas loin, il est là. Il sait très bien ce que tu vis, et il sait même ce qu'il y a au fond de ton cœur, et peut-être même ce que tu n'as jamais dit à personne, ce qui est secret, ce qui est confidentiel, ce qui est personnel, ce qui est intime, Jésus le sait. Il est là au milieu de nous. Je vais à la conclusion et les musiciens peuvent s'approcher. Et j'arrive dans cette conclusion avec la fin de l'évangile selon Matthieu. Et peut-être, j'ouvre une parenthèse en disant c'est intéressant au niveau même théologique de voir dans l'évangile selon Matthieu, ça commence avec cette déclaration de l'ange à Joseph que Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Et l'évangile commence avec Dieu avec nous, et l'évangile finit aussi avec Je suis avec vous. Et c'est quelque chose qui est la centrale et qu'on retrouve dans tout l'évangile. Alors regardez comment l'évangile de Matthieu termine. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On connaît ces paroles, c'est là la mission de l'Église, eh d'aller, de proclamer, d'annoncer cette bonne nouvelle, mais aussi de faire des disciples, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais aussi d'enseigner, d'enseigner à faire ce que Jésus a dit. Pas simplement, je vous annonce une bonne nouvelle, mais nous voulons vous dire, il y a des commandements, il y a comme des ordres, il y a des prescriptions. Jésus, par exemple, nous demande de nous aimer les uns les autres. Alors on veut vous enseigner à mettre ce commandement en pratique, à obéir à ce que Jésus nous demande. Si Jésus dit ⁇ Aimez-vous les uns les autres ⁇ alors le but de l'Église, c'est d'enseigner à observer, entre autres, ce commandement. Et dans ce contexte, et seulement dans ce contexte, et il faut pas l'oublier, Jésus dit Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus nous donne cette promesse Je suis avec vous. Jésus est là, il est avec nous. Et quelqu'un dira Oh, mais moi, je n'ai pas besoin de Jésus. En fait, ce que tu sais pas, tu as besoin de lui. Quelque part, chacun. Et, et, et moi le premier, sommes là en train de dire Seigneur, on a besoin de toi. Et si Jésus dit Je suis avec vous, c'est parce qu'il vient de donner une mission. Peut-être quelqu'un trouvera cette mission difficile de dire Allez jusqu'aux extrémités de la terre, allez dans un pays où on tue les chrétiens. Mais Jésus dit Je suis avec toi. Allez, peut-être quelqu'un dira Mais juste aller parler à ma belle-mère du Seigneur. Jésus dit Je suis avec toi. Quelle que soit la mission, et si tu trouves ça difficile, Jésus dit, je suis avec toi. Parce que nous avons besoin de lui, et lui nous dit, je suis là. Je suis là pour répondre à tes besoins. Et si quelqu'un ce matin a des besoins, si quelqu'un ce matin dit, mais moi j'ai besoin de réaliser davantage que Jésus est là, qu'il est celui qui entend quand j'appelle, eh bien nous disons ce matin simplement, il est là, et il veut répondre à ta prière. Il veut te donner la force de marcher, de continuer dans la vie chrétienne. Il est celui qui guérit aujourd'hui encore, et il est là pour guérir. Et nous croyons. Il est celui qui est là pour encourager. Il est là aussi pour émonder, pour dire :« ça qui marche pas, qu'il faut apprendre à observer là ce que Jésus a prescrit. » Mais il n'est pas loin. Il est là. Et si quelqu'un dit :« Je le vois pas, je le sens pas, je réalise pas. » Eh bien, nous voulons prier. Pour ce matin, vous puissiez réaliser et prendre conscience que Jésus est là. On va faire quelque chose, on, on va se lever à notre place et, et, et chanter ensemble. Et on va faire quelque chose de pas coutume pour les gens qui sont sur Internet. On va, on va rester connectés encore. J'aimerais que ce chant puisse être diffusé à Berthierville. Les amis de Berthierville peuvent aussi chanter avec nous. Et si vous êtes sur Internet, vous pouvez chanter avec nous. Le Seigneur est là. Il est là à côté de nous. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de paix quand j'ai besoin de compréhension Le Seigneur tu es là j'ai besoin d'espoir quand j'ai besoin de grâce Quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu l'as. Quand j'ai besoin d'amour. Quand j'ai besoin de paix. Quand j'ai besoin de compréhension. Seigneur, tu l'as. J'ai besoin d'espoir. J'ai besoin de grâce. J'ai besoin d'une autre chance. Seigneur, tu l'as. S'il y en a qui réalisent que le Seigneur est là dans ce lieu, qui ont besoin de lui ce matin, je vais vous inviter à vous approcher devant, que ce soit à Berthierville, que ce soit ici. Si quelqu'un dit, Seigneur, je réalise que tu es là et j'ai besoin de toi, vous pouvez vous approcher comme si vous vous approchiez de Jésus ce matin. Nous allons ensemble prier les uns pour les autres, mais c'est au nom de Jésus que nous prions. C'est Jésus qui est là pour toi. Et nous voulons prier ensemble les uns pour les autres. C'est Jésus qui veut agir et intervenir pour toi. Si quelqu'un a besoin de Jésus, si quelqu'un a besoin d'un miracle dans sa vie, eh bien approchez-vous devant, j'invite les diaques, les diacones à, à venir prier avec vous. Le Seigneur est là pour toi ce matin. Alléluia. Seigneur, tu es là. Alléluia. approchez -vous. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. J'ai besoin d'amour. Alléluia, tu es là. Seigneur. Tu quand es là. J'ai besoin dans ce de lieu. paix. Alléluia. J'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là, j'ai besoin d'espoir. Quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Singer, out Yeah.